Pour beaucoup d'entre nous, le quotidien est souvent pénible. Jour après jour, le corps et l'esprit semblent se vider de leur substance et l'on commence à se perdre. Parfois, il règne un tel chaos à l'intérieur de mon cœur que seule la solitude et les éléments peuvent y remettre de l'ordre. Il me vient alors cette obsession du sauvage. La nature est pour moi le meilleur moyen de nourrir l'âme qui a tendance à se dessécher dans notre société. Dans cette quête d'apaisement, je choisis la montagne enneigée. Un mélange de force de la terre qui s'est jadis dressée, enveloppée en cette saison par la froide douceur de la neige. Je suppose que nous n'allons pas passer à deux. C'est tant mieux que je m'étais arrêtée là pour faire quelques prises de vue, parce que sinon il aurait fallu que je fasse marche arrière jusqu'à une voie de passage. Son manteau est d'ailleurs si épais que beaucoup des routes sont devenues inaccessibles. Seuls les axes indispensables sont maintenus. Ma voiture est bien le reflet de mon esprit. Le bazar y règne de toutes parts. J'enfile péniblement ma tenue pour la neige. Ça n'est pas forcément évident dans si peu d'espace. Dehors, il y a du vent et de la neige. Et donc, je mange à l'intérieur, comme ça, je peux retirer mes gants. C'est quand même plus commode, plus confortable. Et comme ça, ça m'évite aussi de manger trop froid. Parce que après, dehors, tout va vite se refroidir. Et puis comme ça, mon sac, il est beaucoup plus léger aussi.
Malheureusement, la station est fermée. J'espérais pouvoir refaire des raquettes, trouver la paix au son du bruissement de mes pas. Je prends le temps de réfléchir. La nature m'appelle si fort. Je décide de m'imprégner des lieux en lisant et photographiant la carte. Et puis, je me décide. Ça y est, je pars. J'emprunte une piste du niveau le plus facile damé il y a quelques jours. Et dès les premiers pas, la magie opère. Les pins majestueux dominent mon chemin et la forêt, spectatrice silencieuse, absorbe le bruit de mes pas. A ce pouvoir de créer ce silence enveloppant, un silence qui pour mon cœur agité a des vertus thérapeutiques. C'est vraiment une chance, je trouve, d'habiter dans une région où il y a différentes saisons. Quand on voit la forêt du Falgou, à quoi elle ressemble au printemps, avec tout plein de nuances de vert, et à quoi elle ressemble maintenant, sous ce manteau de neige, je trouve que c'est vraiment une chance. Mes sens se réveillent. Petit à petit, le calme entre en moi. Ma respiration ralentit et devient profonde. Je me sens si bien que j'en perds la notion du temps. Chaque respiration ramène l'équilibre en moi.
maintenant bien rechargé. Et il est temps de rentrer. J'emporte avec moi les images de paysages magnifiques, la sérénité et la force de ces lieux envoûtants.